Cause baby like vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo assez cafouillée, enfin c'est comme ça que je l'appelle parce que c'était pas prévu que je filme cette vidéo, mais comme je voulais filmer une vidéo pour demain, donc dimanche, aujourd'hui on est samedi et demain c'est le 31, donc le nouvel an, et je passe le week-end chez ma bestie, sauf que je voulais vous faire une vidéo quand même pour demain et je me suis dit bah je sais que j'allais vous faire un vlog nouvel an, sauf que le problème c'est que bah je peux pas filmer le nouvel an si on n'est pas encore le nouvel an, vous voyez le truc. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où on fait ma valise ensemble. Je vous montre comment je fais ma valise pour un week-end de... Sachant que j'arrive demain début d'après-midi, je suis là-bas et je repars soit lundi soit mardi, je sais pas encore. Donc il me faut quand même des tenues, il me faut mon make-up, il me faut ma skincare. Pour mes cheveux, je vais prendre quelques trucs, mais je sais que je vais me laver les cheveux demain, comme ça c'est fait. Je vais vous montrer tout ça, et donc on va faire ma valise ensemble pour nouvel an. Je me disais que ça pouvait être une bonne idée. Dites bonjour. Mimi. Oh là là, il y a gros Mimi d'amour. Mimi la star, Mimi la star. Vous allez voir que c'est un peu le... J'essaye d'être très organisée, même trop organisée, donc enfin vous allez voir, le truc. Bref, je suis un peu trop préparée, enfin. On va voir si je vais réussir à loger toutes mes affaires dedans, parce qu'à chaque fois c'est le bordel et là j'aimerais bien que ma valise soit presque vide. Ça va être compliqué, mais on va voir ça ensemble. Ça fait longtemps aussi que je l'ai pas ouverte, donc je sais pas s'il reste des trucs dedans. Donc déjà, on va commencer par les trucs, je dirais, simples, c'est-à-dire les produits de douche. Je vais voir ce que j'ai là-dedans, parce que... En fait... Donc moi ce que je fais quand je fais ma valise comme ça, c'est que je fais étape par étape. Donc c'est à dire, je vais arriver chez elle, j'aurai déjà une tenue sur moi. Donc soit je serai en jogging, soit autre, mais j'aurai déjà une tenue sur moi. Et là je me dis, ok, donc je vais arriver chez elle, est-ce que je vais être maquillée ou pas? Parce qu'on sort pas pour le nouvel an, on va faire comme l'année dernière, on va rester à la maison et on va se regarder sûrement un film et manger tout ça et boire. Dans la ville où on va, on est quand même sur une moyenne ville on va dire, et je comprends pas pourquoi il y a aucun bar qui est ouvert, à part un bar mais il fallait s'inscrire et tout. Et je vous avoue que moi étant... Attendez, mes chaussettes sont sales, est-ce que vous les voyez? J'espère pas parce qu'elles sont sales. Et moi je suis introvertie et je suis très anxieuse et tout ça, et la foule c'est pas mon truc. Et j'ai un peu la phobie des gens qui sont bourrés et qui boivent de l'alcool, donc disons que je suis pas très fan des trucs comme ça. Donc là on va rester à la maison et on va pas faire comme la dernière, parce que la dernière on avait quand même mangé McDo presque tout le mois de janvier. Donc moi ce que je fais dans la logique des choses, j'arrive chez elle, on va dire que je suis déjà un peu maquillée ou pas du tout. Peut-être que je vais y aller juste en mode skincare et on va se maquiller après ensemble. C'est à dire que le soir il me faut mon démaquillant. Donc en démaquillant j'utilise le Body Shop Camomille. Il m'en reste, comme je vous dis, très peu. Voilà, donc je vais l'utiliser pour là-bas parce que bah, je me dis j'aurai sûrement des paillettes sur les yeux, mascara et tout ça. Et le soir si on a bu beaucoup, j'ai vraiment pas envie de passer 3 heures à me démaquiller. Donc démaquillant. Ensuite ça c'est quoi? J'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est gel douche. Et ça c'est quoi? C'est dans mes cheveux, non? Qu'est-ce que c'est que celui-là? Ça doit être le shampoing. Ah non! Putain! C'est quoi? J'arrive même pas à savoir ce que c'est. On doit être le gel douche, celui-là. Comment je sais les choses comme ça? Et j'en ai partout sur les mains. Je sais pas. Donc, est-ce que je vais utiliser ça? Non. Ça, c'est quoi? Ça? Ah, c'est compliqué, en fait, au niveau des heures. Pourquoi j'écris pas les trucs dessus? Au pire, je vais me prendre ça. C'est un vieux savon que j'avais reçu dans une Beautiful Box, je crois. C'est juste un savon gel douche. Donc, je vais prendre ça pour le gel douche et tout. Et comme ça, j'ai mon gel Intima et mon gel douche. Et on est bon. Ensuite, déodorant. J'ai un tout petit tube comme ça de dentifrice. Ma brosse à dents. Meilleure brosse à dents au monde. Voilà. Bah, après, c'est parce que moi, j'ai les dents pourries. Il faudra que je vide un de mes tubes pour pouvoir mettre mon huile lavante. Pour mes cheveux, je vais ramener mon tube vide comme ça pour mettre de l'eau dedans pour les rafraîchir s'il y a besoin. Je vais ramener ma... Alors est-ce que j'utilise mon smoothie ou est-ce que j'utilise ma crème de curl? Ah. Je pense que je vais utiliser ça. Et mon gel.
Hop. Donc ma skincare, je vais mettre tout ça dans une petite trousse comme ça. Arrête. Je prends le basique du basique. Mon sérum de nuit. Comme ça, j'ai, on va dire, si j'ai la flemme de faire ma skincare le soir, j'aurai quand même mon sérum de nuit. Ordinary B5. Je vais venir prendre celui-là. Comme ça, il y a le cou et le visage. Donc ça, ça va être bien. Un patch pour les yeux. Comme ça, si jamais j'ai des problèmes pour dormir, je sais que ça m'aide beaucoup. Je viens de retrouver mes trousses. Je cherchais cette trousse partout. Donc c'est parfait. J'ai plein de trousses. Ça va être trop bien. Pour skincare, on va plutôt mettre ça dans cette trousse-là, parce qu'il y a plus de choses. Donc je vais venir mettre ma crème solaire. Des petits pots vides comme ça de chez Sephora. Je vais venir y mettre ma crème dedans. Donc petite crème pour le visage, mon Glow Recipe, ouais, B5 et Zinc, voilà. Hop, mon petit baume à lèvres, et je vais mettre la crème pour les yeux que j'avais acheté à ma mère, mais que bah, j'ai l'impression qu'elle n'utilise pas, donc elle est à moi maintenant. Je vais prendre les cotons, comme ça pour me, si jamais j'ai besoin de retirer des trucs ou quoi que ce soit. Et je vais mettre ça dedans, petit truc pour les cheveux, vous savez là, pour... Alors pour le maquillage, donc j'ai deux trousses, la plupart du temps je mets tout là-dedans. Donc déjà primer, bébé crème ou fond de teint comme vous voulez. Correcteur, j'en prends deux parce que je sais pas lequel je veux. Le bronzer, le blush. Je vais utiliser ça aussi de chez Drunk Elephant parce que j'ai envie de l'utiliser d'une façon différente. On va voir ce que ça donne. Mascara, des petites paillettes pour les yeux. Mascara sourcils. Donc eyeliner, je vais prendre mes deux petites boîtes d'eyeliner, donc white eyeliner, donc c'est des eyeliner que vous venez activer avec de l'eau. J'ai pris blanc et noir, et pour ça j'ai pris mon petit pinceau. Alors les pinceaux je vais les laver avant, mais voilà, j'ai pris mon petit pinceau. Lip liner, donc j'en ai trois couleurs comme ça. Vous voyez bien comme ça, voilà. Un genre de rouge comme ça, en cas où, si je veux mettre ça. Et ensuite pour les yeux, donc j'ai cette petite palette de chez Kiko. Que je vais prendre. Cette palette de chez Action que j'aimerais bien prendre aussi parce qu'il y a des bleus. Et ensuite en palette, je voulais bien prendre bah, la palette donc de Friends parce que j'adorais cette teinte là. Et je me dis, je pourrais peut-être me faire d'autres trucs avec. Donc je pense que je vais prendre. Ferme. Voilà. Je pense que je vais la prendre. Donc là, on est bon pour le make-up et pour la skincare. Pour la douche. Donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à faire les vêtements le plus long. Ok, bon, alors pour les vêtements, j'ai plein trop de choix, c'est catastrophique, mais on va y arriver, je vous promets. Commencer par la tenue que je mettrai sûrement lundi, mardi. Donc on est sur un jean patte d'éléphant noir, taille haute. Avec ça, je vais venir mettre ce sweat avec ce pull dessous, col roulé. Parce que j'aime bien quand le col roulé comme ça il ressort d'un sweat. Je trouve ça trop beau. Donc ça je me dis c'est ma tenue. Voilà, très foncé. Mais bon, on s'en fiche. J'aime bien. Après on a une tenue de sport parce que je compte continuer à faire mon sport. Voilà, donc ma tenue de sport. Il faudra que je mette mon... Mais je l'ai sur moi. Ma brassière de sport avec. Le pyjama, voilà, il n'y a pas plus classique que le pyjama. Ensuite on a, donc il y a deux tenues. Il y a soit cette robe là avec les... Comment on appelle ça? Les bretelles, comme ça, avec un joli dos nu derrière, donc très très beau en velours. Ou on a celle-là que j'aime énormément, mais à chaque fois, genre ça me fait bizarre sur moi. Voilà, un bleu électrique comme ça, je l'adore. Donc j'emmènerai les deux parce que bon, on fera plusieurs photos. Voilà, trop belle. Le boléro comme ça, transparent, avec les manches comme ça, et au final, je remarque que les boléros me vont pas du tout. Donc je l'emmène quand même, on sait jamais. Et ensuite, c'est là où c'est drôle. J'ai trois paires de chaussettes comme ça à moutmout, ça je me dis on sait jamais. Trois paires de chaussettes classiques que je mets dessous mes moutmout parce que j'ai très 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 froid aux pieds. Et ensuite, c'est là où c'est drôle, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 culottes pour 3 jours parce qu'on sait jamais. Donc voilà, donc là normalement on est bon, je vais faire ma valise et j'espère que ça va fermer. Normalement oui, je suis pas folle, il faut que je pense à emmener d'autres choses ou pas. Parce que je sais que je veux filmer le vlog, donc il faudra que je ramène ma caméra, il faut que j'emmène mon chargeur de trucs, et voilà quoi. Est-ce que j'emmène mon PC pour monter là-bas? Parce qu'en vrai j'ai pas envie de passer la journée à monter alors qu'on sera toutes les deux quoi. Mais je vais peut-être ramener un livre pour lire. Donc là je vais d'abord faire le reste de ma valise, peut-être ramener ma Switch, je vais voir. Je sais pas quelle température il va faire, mais... Comme mardi, je compte aller en ville,
solo, je vloguerai peut-être. Je préfère avoir une bonne tenue et pas à prendre de manteau que avoir une tenue faible et prendre un manteau et être avec 36 000 tenues, c'est horrible. Donc là on est bon. Et je vais juste venir mettre cette palette ici et l'autre je vais la mettre dessous, donc entre mon jean et mon pull. Après le reste je mets ça dans mon sac à main. Donc normalement on est bon hein. Et ça ferme. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo très délicate, très bazar. Mais ouais, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo et si vous aimez ma personne. Voilà. N'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce pour dire que vous avez aimé cette vidéo ou laisser un commentaire si vous voulez parler, dire quelque chose. Ça ne me dérange pas, allez-y. Bonne année à tous. Enfin, pas encore. Mais quand vous regarderez cette vidéo, de toute façon, on sera le 31. Donc la nouvelle année c'est le soir même, donc bonne année à vous et j'espère que cette année en tout cas sera meilleure pour nous tous. On va manifester le truc hein, comme je dis dans toutes mes vidéos, cette année ça va être notre année, je vous le dis tout de suite. Aussi, parce que cette vidéo, au moment où je filme cette vidéo on est à 193, merci pour les plus de 190 abonnés qui sont là. Si jamais on atteint les 200 abonnés et que j'aurais pas filmé avant, bah écoutez, merci beaucoup. Genre littéralement, genre vous imaginez pas à quel point ça fait très plaisir en fait, de voir qu'il y a des gens qui s'abonnent à vous parce qu'ils aiment votre contenu. Donc merci beaucoup. Je vais aller faire mon sport et prendre ma douche si c'est que je sens très fort la transpiration. Chut. Voilà. Bye bye. Mouah. Love you so much. Mouah. Cause baby love.